Eh bien, salut tout le monde, c'est Matou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant tout ça, déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Parce que sinon, je vais vous taper là. Je vais vous taper comme ça là. Comme ça, je vais vous taper, d'accord? Je vais vous taper comme ça si tu cliques pas sur le bouton s'abonner là. Parce qu'il y a plus de 65% des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. D'ailleurs, pour le speed-up de. Ah, de Césure se met en enfer, je voulais vous remercier pour les 4700 vues, je crois. Je voulais vous remercier infiniment, ça me fait extrêmement plaisir. Merci encore, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avant de commencer la vidéo, je voulais faire une dédicace à un abonné qui s'appelle Alexis. Alors, mon petit Alexis, on m'a dit que tu regardais très souvent mes vidéos sur GTA. Tu regardais aussi mes rediffusions de live, que tu adorais me voir jouer et que tu rigolais, que tu passais des bons moments. Écoute, un abonné comme ça, qui dit ça, etc., ça me fait extrêmement plaisir, ça me réchauffe le cœur parce que ma chaîne, elle est faite pour ça. J'essaye de vous faire rire comme je peux, même si je m'y prends peut-être mal, etc., parce que ça fait pas. Parce que je suis pas non plus un professionnel là-dedans. Mais écoute, si je te fais rire, c'est bien. Et écoute, merci à toi de regarder mes vidéos et tout. Et j'espère que tu continueras à regarder mes vidéos et à t'amuser. Et sur ce, on va commencer tout de suite la vidéo. La vidéo consiste en, je vais vous montrer comment je fais mon repérage de Caio Perico. Donc on est parti. Hop, recherche de renseignements, tac. Hop, attendez 2 secondes, je réponds à un message, vite fait, voilà, hop, et j'éteins mon téléphone. La Gozankudo, d'accord, c'est pas ceci, hop, on va se taper là-bas. Donc bien évidemment, hein, la première partie, enfin, la partie là, je sais même pas si je devrais la mettre, enfin, tellement c'est inutile de la mettre. Hop. Mais bon. Je vais vous montrer le repérage au complet, comme ça c'est fait. Et je jugez pas ma façon de jouer, hein, parce que ça fait genre 2 semaines que j'ai pas joué à GTA. Et là je vous reviens sur GTA, bam, vidéo, démonstration, je vous montre comment je fais mon repérage Caio Perico. Voilà, bim bam boum, c'est carré. C'est parfait. Après, si vous avez d'autres méthodes, etc., faites. Hein, moi, je veux juste vous montrer ma méthode, etc. Je trouve relativement simple. C'est plus une méthode. On va dire que si t'es en solo, c'est une méthode qui est très bien. Si t'es en duo, c'est une méthode qui est bien si t'as beaucoup de choses dans la base. En trio et en quatuor, c'est pareil. Si t'as beaucoup de choses dans la base, elle est bien. Mais après, si t'as rien dans la base, c'est vrai que ma méthode de repérage, si t'as rien dans la base principale. C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut aller au cache en aléatoire sans savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà. C'est vrai que c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc là on va aller là où il y a le vélo pour aller sur Caio Perico. Caio Perico, vamos a la playa, vamos a me gusta, pardon. Voilà, ça c'est fait. Hop, je vais même sauter comme ça. Allez, ouvre le parachute, voilà. C'est pas du travail de professionnel, ça? En même temps, les Caio Perico, j'en ai fait pas mal dans ma vie. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Voilà, beaucoup. Ça va, je suis même pas à 5 minutes de règle, donc ça va. Ce qui est chiant avec cet avion, c'est que déjà, de règle, il met du temps à décoller. Et il est lent. Mais non, ça mêle. Il est très lent, il est très 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 lent. Et ouais. Par contre, ce que
Parce que... Faut que je trouve... Putain, faut... Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. Ah putain, on voit que je prépare jamais mes vidéos parce que je trouve même pas les mots. Ce que j'allais dire, ce qui est chiant avec cet avion, c'est qu'il est très lent et que du coup, pour voler, il met du temps à prendre sa vitesse et c'est très chiant. Et des fois, quand tu veux, quand t'es tout au nord dans cette mission et que tu veux voler au-dessus du mont Chiliad, ça te met vitesse insuffisante. Et c'est très chiant. Bon, là, ça va, j'aurais pas ce problème parce que les montagnes, c'est pas trop trop haute encore. Mais enfin, voilà. Il y a des fois, c'est quand même un peu chiant. Normalement, mon repérage il se fait entre 20 minutes et une demi-heure. Ou peut-être moins, je sais pas. Je sais pas, en vrai, j'ai jamais calculé le temps que je mets en repérage. J'aime trop faire des vidéos, c'est fou, j'aime trop faire des vidéos, mais j'ai l'habitude de faire des vidéos. Hein. Ça fait depuis 2010... ouais, 2018, je fais ça, mais je trouve ça toujours autant compliqué de parler en vidéo en même temps que tu joues, etc., d'animer la vidéo, mais ça va. Ça va, je trouve que je m'en sors pas trop mal, etc. Sachant que j'avais perdu cette habitude-là, là, il n'y a pas si longtemps que ça encore, quand j'avais arrêté pendant plus de 7 mois YouTube. Donc j'avais perdu cette habitude-là, là, je la reprends pas un peu, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais sinon, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si ça vous plaît, à vous abonner. Je vais forcer avec ça, mais je veux les 500 abonnés, les gens. Bon, je suis déjà. Les 250 avant sera déjà pas mal. Sera déjà pas mal, d'accord? Mais enfin, voilà. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui écoutent, qui regardent mes speed-up, etc., et tous ceux qui se posent des questions, pourquoi je fais que des speed-up, registres un peu tristes, dépressifs, etc. Bah écoutez, j'aime bien ce genre de musique, du genre Lomepal, Caballero, etc., etc. J'aime bien ce genre de musique, etc. C'est mon bail à moi, enfin, j'aime bien, j'aime bien. Mais sinon, si jamais aussi par rapport à en revenir à GTA, etc., dans pas longtemps, normalement, si tout se passe bien, dans pas longtemps, je vais créer un crew. Créer un crew pour jouer avec vous les abonnés sur GTA, créer un crew pour faire des activités, des braquages, etc. Créer un crew spécialement pour GTA. Il y aura un crew pour les PS. Je sais pas si je fais un crew. Dites-moi. J'ai plus de batterie. Mais je sais pas si je fais un crew pour les PS4 et un crew pour les PS5 ou si je fais un seul et même crew. Ou PS4 et PS5 sont mélangés, je sais pas. Voilà, c'est bon, j'ai le chargeur. Voilà. La manette est en charge. C'est un problème que mes vidéos sont jamais préparées, j'avais plus de batterie dans la manette. No time for one set. Hands down, let's go. Okay, it's good bringing soon. Go on. Je connais le dialogue par cœur. Bon, là, ce que je commence par faire, c'est déjà, je vais dans le hangar. Logique. Je pense que tout le monde le fait, ça, hein, mais je vais bien vous détailler ce que je fais. Donc là, ce que je fais, déjà, c'est que je vais dans le hangar. Je me mets là et je prends en photo ce qu'il y a là. Bon là, ouais, j'ai que de l'argent. Là, il y a que de l'argent déjà ici. Hop, que de l'argent. On fait carré. Hop, Pavel. Là, j'escalade ça, j'escalade ça, ça. Je vais là et je prends en photo ce qu'il y a là. Donc là, cannabis, cannabis, ok. Hop, croix carrée. Bon, là, vous voyez rapidement quand je prends la photo. Mais je vais vous le faire lentement. Pas besoin de zoomer forcément, hein. Je prends en photo, donc croix et là après carré. C'est juste que vous voyez pas parce que moi je fais croix carré rapidement parce que j'ai l'habitude, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas le braquage de Gallo Perico, etc., qui débutent, c'est bien de voir quelqu'un qui montre comment il fait Perico en vrai. Là je vais toujours voir ici déjà s'il n'y a pas les habits. Très important, les habits ils sont pas là. Il n'y a pas le véhicule ici. Là. Je vais ici pour voir s'il n'y a pas les habits parce qu'ils peuvent spawn là et ils n'ont pas spawn ici. Je vous montrerai aussi plus tard ma méthode pour faire le braquage des cailloux Perico en solo. Ce sera pas mal. Là, il n'y a rien du tout là-dedans. Wesh! Là, moi, ce que je fais, c'est que je prends la moto qu'il y a là. Je prends pas l'autre moto et je vais pas directement à la tour de contrôle parce qu'il y a une autre cache où il y a les habits qui est par là-bas. Et vous pouvez aussi. Il y a aussi à la mini plage là-bas où vous pouvez.
trouver le grappin. Désolé, si j'arrête de courir dans le jeu, mais je me gratte un petit peu en même temps que je fais la vidéo, putain. Au moins, vous avez la preuve que c'est pas préparé. Que la vidéo n'est pas préparée à l'avance. Je sais pas, en fait, là, il tourne la vidéo, il est 23h et quelques. Je me suis dit, pourquoi pas tourner une vidéo, et puis j'ai eu l'idée comme ça, d'un coup. Et là, vous voyez, là, il est là, il y a les habits, donc ce que je fais, c'est que je descends. Je descends là, je les prends en photo, tac, pour un carré, comme pour prendre en photo les objectifs secondaires. Hein. Là, allez pas trop vite, appuyez doucement quand vous faites demi-tour, parce que sinon, vous pouvez très facilement tomber dans l'eau avec la moto. Aïe, je me suis mangé l'arbre. Yes. Là, il n'y a pas le grappin, donc je remonte, tac. Ce que je fais, moi, c'est que je passe par là. Hop, comme ça. Tac, ici, là, on tourne à gauche. Là, tu passes ici, ici. Aïe. Là, t'évites la caméra si elle est là, parce que des fois, elle n'est pas là. Hein. Là, tu te fous ici pour éviter le véhicule. Là, le garde, il regarde pas dans ta direction. Si le garde de la tour ne regarde pas dans votre direction, si vous savez le faire, vous sautez là comme moi. Moi, après, ben, je sais le faire. Hein. Puis là, vous continuez, voilà, comme ça. Ah, oh oui, je vais passer, c'est beau. C'est beau, non, c'est beau, c'est beau. Là, il y a le garde. Donc là, ce que je fais, si le garde, il est aussi près, je descends de ma moto. J'attends qu'il tourne. Et je vais là. En mode sneaky, parce que sinon il va me repérer. Voilà. Là, argent cannabis. Là, je vais aller récupérer ma moto. Normalement, elle est par là. J'ai quand même pas perdu ma moto. Mais dis pas que j'ai perdu ma putain de moto. Ah non, elle est là, c'est bon. Elle est tombée, la pute. Je ramasse la moto, va. Là, ce que je fais, c'est que je passe par le champ ici. Là, ici, je fais gaffe à pas me prendre un arbre, bam. Et là, je monte là-haut, comme ça, bam, hop, boum. Voilà. Là, je monte là. Ah, bah là, il est en bas. Alors, je voulais vous montrer tous les endroits où peut être l'émetteur de signal. Hein. Donc, soit il est ici, là. Soit il est là, ou soit bah, il est à tous les étages de la tour. Voilà. Là, en l'occurrence, il est là, donc je vais le pirater. Le piratage est au hasard, hein, ça dépend. Hein. Là, ça se trouve, je vais tomber sur le bon direct. Non. Toujours pas. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Et bah là, je switch sur les cams jusqu'à déjà tomber dans le sous-sol. Donc là, j'ai la cour, etc.
Sous-sol, voilà, sous-sol, la caméra du sous-sol. Collier de rubis. Oh, ça va, collier de rubis, c'est pas mal, pas mal. Qu'est-ce que j'ai dans la réserve? Parce que si j'ai des bons trucs, je le ferai à deux. Après, soit je le ferai tout seul. Là, j'ai un tableau, deux tableaux en bas, d'accord, pas mal. Deux tableaux en bas, il y a deux tableaux en bas, donc j'aurai pas de tableau dans le bureau, c'est sûr. Ouais, c'était sûr. Une table d'argent. Ouais, c'est un caillou Perico qui se fait solo, ça. Ouais, argent. Deux tableaux, argent. 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 Ouais, c'est un périco qui se fait tout seul, ça. Puis ben là, le repérage est terminé. Là, le repérage est terminé. Ce que je fais, c'est que je vais me faire repérer par le garde qu'il y a dans la tour avant qu'il se retourne derrière. Comme ça me fait respawn directement là-bas. Voilà. Là, je me fais directement repérer par le garde qui est ici. Puis ben là, comme ça, il faut retourner ici. Et là, je retourne vers l'avion et je fais flèche de droite. Et le repérage est terminé. J'espère que vous aurez apprécié ma petite méthode. Sachant que j'ai dû parler bien 3 minutes au début, donc ça fait ouais du 14 minutes à peu près de. À peu près du 4. J'ai parlé à peu près 3 minutes au début, donc ça fait à peu près du 14 minutes de repérage. Ça va. 14 minutes de repérage, c'est un repérage rapide, efficace. Voilà, là, le périco que j'ai, c'est un périco qui se fait en solo. Donc, si vous désirez dans les commentaires, je vous montrerai ma méthode pour faire le périco en solo. Et puis, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et encore merci à l'abonné Alexis qui a dit à sa grande sœur qu'il adorait mes vidéos et mes lives, qu'il regardait en diffusion, qu'il rigolait bien. Ça m'a fait plaisir. Et bien. Je fais ça pour ça, notamment pour essayer de vous faire rire et aussi parce que j'aime faire ça, c'est ma passion, faire des vidéos. Puis bah écoutez, sur ce, c'était un plaisir sur ce, c'était un plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.